voilà, aujourd'hui nous allons faire du poisson à la tomate. Alors j'ai mis des oignons, de la charlotte, c'est des oignons, oignons, des échalotes, je veux dire, excusez-moi, avec du persil que j'ai bien mélangé, voilà, et j'ai mis un peu de poivron, du poivron, voilà, du poivron, ouais. Voilà, je mets un peu de poivre, je mets du cumin. Et là, tu nous fais quoi comme recette? C'est du poisson. Et là, c'est quoi? C'est du cumin. Et du gingembre. On va mettre un peu de gingembre. De l'autre côté. Voilà. Le gingembre, n'hésitez pas. C'est très bon pour la santé. Voilà. Ensuite, vous mettez votre poisson. Vous touillez, vous prenez le poisson que vous voulez. Hein. Moi, c'est du maquereau. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, vous touillez. Par contre, vous mettez un peu de sel. Peut-être la base. Déjà, le poisson, il est salé. Il vaut mieux pas trop en faire. Quoi. Voilà, vous touillez un peu. Vous mettez un peu d'huile d'olive. Déjà que le poisson, il est gras, faut pas trop en mettre. Voilà. Hop. Vous touillez. Ensuite, vous mettez dans le plat. Sur un plat avec du papier sulfurisé. Et n'hésitez pas. Tout ça, ça va cuire ensemble en pec. Et c'est long à cuire ou quoi? Non. Le four, il est déjà mis à... Il est préchauffé déjà. Il est déjà préchauffé, alors ça va aller vite en principe. Le poisson ne reste pas trop longtemps. Voilà, ensuite je vais ajouter mes tomates que j'ai coupées. En plus, c'est des vraies tomates, c'est des tomates de... C'est des tomates de jardin, bio. Ça va donner le goût. Voilà. Ensuite, la sauce tomate, elle va être juteuse en plus. Le poisson va bien s'imprégner. Et ça cuit bien. Parce que je l'ai déjà fait sans problème. Voilà. On ajoute un peu de sel pour les tomates. Ok. Un peu de poivron. Voilà. Comme ça, après, on n'ajoutera plus rien. Voilà. On va laisser cuire. Impec. À 200 degrés. Après 30 minutes de cuisson, nous avons le poisson avec les tomates et on va disposer ça dans une assiette. Voilà, moi j'ai accompagné ça avec des pâtes penne, avec du raisin, avec du pain, avec de la poisson. Donc voilà les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Bye bye les petits loups, bon appétit.